Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une soirée du Lab as Code. Je suis Niels et le Lab as Code consiste à mettre en place une maquette composée de machines virtuelles via des outils d'infrastructure as Code. Alors, normalement, c'est pas le premier épisode, loin de là. Je vous renvoie au précédent pour avoir plus de détails sur ce qu'on fait habituellement. Hop, moi je vais commencer la soirée par vérifier que j'ai bien tout ce qu'il me faut. Salut à toi, Ribo. Tiens, je n'ai pas des gens sur le. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'affichage? Bon, bah en fait, on va commencer ce stream avec un peu de debug. Donc, je n'ai pas d'affichage sur. Alors, properties. Pourquoi est-ce qu'il me met. Allons-y. On vient voir par la Streamlabs. Hop. Alors, donc, le chat ne s'affiche pas. Alors, ça m'embête un peu parce que j'avais quand même modifié la taille de la fenêtre de chat pour que ce soit plus facile à regarder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y aurait pas eu des changements chez Streamlabs par hasard? Parce que je vois même plus comment on se log. Comment on se connecte chez eux? Hop. Ah si, voilà, hop, login. Parce que là, du coup, je suis un peu aveugle. Enfin, aveugle. Donc, on va commencer par corriger un peu ça. Si le site veut bien fonctionner. Qu'est-ce qui se passe si je me mets comme ça? Est-ce qu'on a une vue? Hop. Ah oui, c'est vrai que j'ai le petit souci de. Non, pourtant c'est bien la même chose. Tiens, Haribo, puisque t'es dans le coin, est-ce que tu veux bien rajouter quelques petites phrases sur le chat? Histoire de voir si ça s'affiche. Remarque, je peux essayer. Hop. Salut à toi, Yoda. Bon, pas d'affichage ici. Si je me remets dans ce mode-là et que je fais un petit coucou dans le chat. Hein. Non, il y a toujours rien. Oh là là, c'est. Pourtant, j'ai bien la chatbox. Je pense que je vais refaire le lien vers Streamlabs. Hein. Je vais recréer le lien qui va bien. Si ça se trouve, il n'est plus valide pour une raison que j'ignore. Allons-y. Pendant ce temps, vous avez au moins le petit Blowfish qui vous annonce que le stream va bientôt commencer. Ah oui, tiens, il y a eu un truc chatbox qui réclame une mise à jour. Donc, bon, c'est un peu dommage que je le découvre en direct, mais bon, au moins je l'aurais vu. S'il veut bien s'afficher. Va falloir que je me fasse ça dans ma checklist, ma pre-flight checklist, avant de démarrer les streams, où je parcours cette liste en disant, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour lancer le stream? Je vous avoue que la liste s'allonge avec le temps. Desktop chatbot. Mais non, c'est pas le desktop chatbot que je veux. Mais il est passé où? Il aurait disparu le chatbot en fait?
Il faut que ce soit un truc desktop maintenant? Non. Chatbox widget settings, hop. Ah, pourtant c'est bien celui-là. J'applique. Hop, on va repasser sur ce niveau-là. Mais pourtant c'est le même. Alors, je vais m'assurer que le thème est là. Ah là là. Alors, qu'est-ce qui se passe si je refais un petit coucou? Non, toujours rien. Oh, ça va m'embêter. D'un autre côté, vu son nom, c'est normal qu'on sache pas si Chatbox fonctionne ou pas jusqu'à ce qu'on l'ouvre. Bon. Bon. Alors, je sais que j'ai fait une mise à jour de des outils OBS tout à l'heure, mais ça avait l'air de... J'avoue être un petit peu embêté. Alors, est-ce que par hasard il faudrait pas que je lui donne des droits supplémentaires? Si je fais ça et que je replace. Non, il n'y a rien. Bon, alors comment je vais faire pour vous mettre un petit chat quand même? Histoire que moi sur la vidéo on ait un truc. Pour le moment, bon, on s'est juste dit bonjour. Donc il n'y a pas grand chose. Alors, ce que je vais faire, du coup, c'est... C'est lancer le widget. C'est génial, le widget il fait page blanche. C'est pas rassurant du tout si le widget fait page blanche. Si le widget fait page blanche, on est mal barré là, hein? Bon, bah ça m'apprendra à me baser sur Streamlabs pour faire des trucs, hein. Je pense qu'il va falloir que je trouve une solution qui me... qui soit un petit peu plus... comment dire? Salut à toi, Fred. Fred 4032. Que la force du libre soit avec nous. Ouais, merci. Toi aussi. Alors, pour le moment, Fred... Je te rassure tout de suite, on n'a pas commencé grand-chose. Salut à toi, Mortalius. Parce que, en fait, je me rends compte que, visiblement, le chat est cassé. Enfin, le chat Twitch, bien entendu, il est dispo et vous pouvez toujours chatter dedans. Mais moi, je suis censé avoir un affichage, vous voyez, hop, là. Hop, comme ça, ici. Vous êtes censé avoir le chat si jamais vous avez, par exemple, envie... De vous mettre sur un écran avec en plein écran quoi, que ce soit sur un téléphone, sur un ordinateur ou autre, et là ça a décidé de ne pas fonctionner. Alors je ne sais pas si c'est de la faute de Streamlabs ou si c'est de ma faute. Mais a priori, j'ai bien la bonne URL de Streamlabs. Sauf que, d'ailleurs, même quand je lance leur widget à eux, j'ai pas d'affichage de chat. Donc c'est ennuyeux.
c'est ennuyeux. Bon, j'ai resauvé les settings. C'est le dark mode, ouais. Donc bon, et eh ben je pense que pour ce soir il va falloir qu'on fasse 100. Est-ce que je ne pourrais pas, histoire de compenser, au moins pour la partie où il y a le terminal, si je me mets, hop, si je me mets comme ça. Si je me mets comme ça et que je lance une nouvelle fenêtre de Firefox dans laquelle je mettrai par hasard le dashboard Twitch qui normalement ne contient pas d'informations particulièrement gênantes. Hop, je remonte ça comme ça, je vous mets ça ici. Ah, ça va être tout petit. Ça va être tout petit. Si je zoome un peu. Ah bah non. Et il va me zoomer. Il me zoome tout le navigateur en fait. Il me zoome tout le navigateur. Le vilain. Le vilain. Je suis désolé parce que là franchement il est vraiment minuscule. Et justement, les modifs que on avait fait avec Studio Cyanotype. Lors de la... Il y a une semaine. L'idée, c'était justement que le chat soit beaucoup plus lisible. Donc c'est embêtant. C'est embêtant. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire... on va le faire sans le chat. J'essaierai encore plus de relire les messages, notamment les questions que vous poserez. Et puis, bah, on fera comme ça. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le désagrément. Et Yoda qui précise, ne passe pas trop de temps dessus, au pire, c'est pas très très grave. Bon, bah écoute... Si c'est pas très très grave, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet, à savoir ce bon vieux Lab as Code, en espérant que lui ne soit pas laborieux. Alors, je vais récupérer du coup aussi le schéma du lab, parce que c'est toujours sympa de revoir le schéma du lab. Hop, alors... Le voici, le voilà. Hop, on ouvre draw.io. Hop, attention, ça devient tout blanc. Et voilà. Tiens, j'ai laissé ça, moi. Ok. Bien. Alors, la dernière fois, hop, on s'était amusé. L'idée, c'était de... oui, on a passé quand même 1h30 la dernière fois à débugger une connexion SSH. Ça avait été comique. Orieux qui est-ce? Oui, alors en fait, ça m'a beaucoup amusé. Alors, c'était le stream de dimanche dernier. Il y avait un point d'amusant, parce que bon, le stream était un peu justement difficile aussi. Mais il y avait eu un truc très drôle. J'avais beaucoup aimé tous les petits jeux de mots avec la syllabe O. Et en fait, tout à l'heure, je me suis pris à faire des jeux de mots à base de lab. Donc, ce lab n'est pas un labrador, par exemple. Donc si vous avez envie de jouer à des jeux de mots ce soir, je vous invite à tenter de faire des trucs à base de lab. Donc, ouais, c'est laborieux tout ça, je suis assez d'accord, Mortalius. Toujours est-il que ce lab, le principe à la base, c'est donc de simuler, en quelque sorte, une petite partie d'Internet. Et cette petite partie d'Internet, ce que je m'étais dit la dernière fois, c'est que ce serait pas mal... que je puisse y accéder en SSH et que on peut en faire des élaborés. Ok, pas mal, bien joué Haribo, un point pour toi aussi. Et donc l'un des trucs qui m'embêtait en fait sur le stream de jeudi dernier, c'était que pour le moment tout est installé.
en mode infrastructure as code. Donc, vous, moi, on peut aller sur une autre machine, prendre le contenu du repo Git qui est public sur GitHub, et on peut alors lancer, on peut alors télécharger ce code-là, télécharger les images d'OS pour les routeurs et pour les machines virtuelles, pour les routeurs virtuels et les serveurs virtuels, voilà. Et on peut avoir notre propre labo as code. Sauf que si on se met à mettre des services, genre au hasard des serveurs web sur au pif ces trois machines-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, les sites web, on va vouloir y accéder. Et si jamais je mets une machine bureautique à laquelle je peux accéder via, via les fonctions de console locale de la virtualisation, ben, c'est quand même une machine virtuelle beaucoup plus conséquente en taille et beaucoup plus conséquente à instancier. Ça va être beaucoup plus long à déployer. Et donc, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a fait joujou avec des tunnels SSH pour que depuis mon poste local, depuis le poste qui me sert à streamer, je puisse aller rebondir en SSH d'abord sur cet élément-là qui, non content d'être un routeur, c'est aussi l'hyperviseur. Donc c'est sur cette machine physique-là que tournent toutes les VM qui sont dessous. Rebondir ensuite sur l'un des routeurs de tête de pont pour ensuite aller sur le ISP1 VPS1 qui est une machine qui normalement devra pouvoir contrôler tout ça pour notamment faire les déploiements Ansible. Et à partir de là, via ce mécanisme de tunnel SSH, en configurant notre navigateur web pour lui dire tu peux te connecter via ce tunnel là, et ben on arrive à accéder au site web. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est lancer, alors non pas là, c'est faire un petit coup de RunLab. Alors RunLab, je l'avais planté quelque part, non, bon, je vais me mettre ici et je vais lancer RunLab. Alors qu'est-ce que c'est que RunLab? Ah zut, GitHub. Hop, RunLab. Donc RunLab, c'est un petit script que j'ai créé en plus de, du code du lab as code, qui est aussi disponible sur, sur GitHub, comme vous pouvez le voir ici. Ça me permet de pouvoir démarrer comme ça un certain ensemble de réseaux virtuels et de machines virtuelles sur un hyperviseur KVM. Donc on va y aller, hop, on va se lancer un petit RunLab. Moins S parce que j'avais configuré la dernière fois le démarrage du lab. Donc là, il démarre les réseaux. Et ensuite, on va voir si je vous montre Virt Manager. Hop, là, ça y est, ça commence à démarrer. Hop, en voilà un, en voilà deux. Et ensuite, voilà, les uns à la suite des autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on en est là. On va pouvoir se connecter. Ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai oublié un truc. Le lab va tourner à pleine vitesse ce soir. Ou pas, vu la... Oh, 76 degrés CPU. Ouais, non, je vais pas prendre de risque. On va baisser la fréquence tout de suite. Hop. Donc le home lab va pas tourner à pleine balle. Ah oui, tout de suite ça se voit. Hein. Je perds plus de 10 degrés en passant de 2,9 à 2 giga tout court. Hop là. Si jamais vous vous demandez qu'est-ce que j'ai comme matos pour faire tourner le lab, normalement vous avez le point d'exclamation hardware ou le point d'exclamation home lab qui vous donne mon setup de stream et mon setup de lab. Salut à toi The Bidouilleur. Alors The Bidouilleur, t'étonne pas si tu vois rien là-haut. Il y a un petit souci avec le chatbox, avec le widget chatbox de Streamlabs. Et plutôt que de passer tout le stream à essayer de le réparer, et ben. Alors Yoda, non, ce n'est pas le nouveau matériel récupéré récemment. Faut encore que je cale quand est-ce que je ferai un stream sur le sujet. Il y a encore d'autres trucs que je voudrais faire tourner sur l'ancien lab.
Là d'ailleurs, tu as mis hardware, c'est juste le c'est juste le comment dire? Ça, c'est le hardware de la machine de stream. Et normalement, je crois que c'est point d'exclamation Home Lab. Ouais, voilà. Comme ça. Et là, tu vois que ça, c'est le Home Lab actuel qui a maintenant un petit bout de temps. Il a 1 ou 2 ans. Et en gros, c'est vrai que. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a eu des nouveaux qui sont arrivés. On m'a filé une nouvelle carte mère bi-CPU d'une génération plus récente. On m'a filé 2 CPU. Alors, qui sont pas, comment dire, qui sont pas identiques, mais qu'il faut que je teste quand même. Et il y a encore un autre généreux donateur qui est du côté de Nantes et qui comment dire, et à qui je devrais bientôt récupérer des CPU par paire qui sont ensemble. Oui, Yoda, il y a une GTX 1070 dedans. Alors après, j'ai fait le choix, entre guillemets, de mettre de l'argent dans les cartes graphiques et moins dans les processeurs. Puisque à ce jour, le lab, les processeurs sont des équivalents de Core i7 de toute première génération. Donc on parle de processeurs qui sont entre 2009 et 2012, globalement. Et la machine qui me sert à streamer, je l'avais récupéré avec un Core i5. J'ai mis un Xeon à la place. Et c'était un Core i5 de quatrième génération. Donc c'est le Xeon qui correspond au Core i5 de quatrième génération, enfin plutôt au Core i7. En gros, c'est-à-dire que là, le Xeon, le E3 12 1246 V3, c'est un équivalent de Core i7 4770, quoi. Mais pour le moment, pour être honnête, Yoda, la GTX, je n'en profite pas trop. L'idée, c'était d'essayer de la faire tourner. Alors, ça marchait d'ailleurs pas trop mal, de la faire tourner dans une VM. Pour que quelqu'un puisse faire notamment du rendu de comment dire? Bah justement, tiens, The Bidouilleur, là, en gros la 1070, l'idée c'était qu'elle puisse que je fasse une VM Windows, ce que j'avais fait pendant un temps, pour faire tourner du. Alors j'avais essayé avec Parsec par exemple. Et je lançais genre un Quake, pas un Quake, un Open Arena. Je l'avais fait avec une 1050 Ti même avant. Et en fait, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'espérais pouvoir m'en servir pour des rendus d'export de montage. Mais le projet n'a jamais réellement abouti. Et en fait, à l'époque, la 1070, donc la 1070 était dans mon PC de stream, j'avais une 1050 Ti que j'ai cédée. Et je me suis procuré la 3070 Ti parce qu'à l'époque, je jouais encore un peu. Et j'ai beaucoup moins joué, en fait, depuis que j'ai la 3070 Ti. Sauf qu'entre-temps, a priori, les prix se sont un peu calmés. Et je l'ai acheté au moment où c'était le pire moment pour l'acheter, en fait, la 3070 Ti. Donc je la garde, et puis je garde aussi la 1070. Je ne m'en sers pas pour miner, si jamais certains se posent la question, ou certaines. Toujours est-il que, voilà, j'aimerais bien essayer d'en refaire un truc, mais sans doute pas dans le cadre du Labascode. Pour essayer de refermer la grosse parenthèse. Donc on a normalement tout notre lab qui a démarré. Je vais aller me connecter sur Marvin. Et ce qu'on va faire, si on fait un petit sudo vir/sh console ISP1 router 1. Hop. Et qu'on lui dit vaios. Hop. Et que je fais un show IP. Non, on va faire un show interface. Hop, show interface, ETH3 122.101. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il m'a gardé le. Est-ce qu'il m'a gardé l'IP que j'avais avant? Qu'il avait avant, parce qu'il est en DHCP techniquement.
Il est en DHCP. Non, c'est bon, il a gardé la même IP. Le bail DHCP est resté identique. Ok, ça c'est cool. C'est très cool. Parce que ce que je vais pouvoir faire maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici et je vais vous faire un petit SSH vers ISP1 VPS1 qui est donc derrière un NAT. Et donc j'ai configuré mon OpenSSH pour qu'il puisse passer en tunnel. Alors ce que je vais même faire, je vais faire un -V, ça va être un peu relou, mais on va aller se balader dans les petits logs un petit peu. Pour que je vous montre que en gros. Alors, où est-ce qu'il dit qu'il se connecte? Voilà, il a un proxy jump. Où il va aller se connecter au à lui là, ISP1 router 1. Il affiche les il fait ses petites options. Et ensuite, il y a le proxy jump via Marvin. Donc il les montre dans le sens inverse en fait. Parce que en fait, c'est pour se connecter à ISP1 VPS1, il faut passer par ISP1 router 1 et pour aller à ISP1 router 1, il faut passer par Marvin. C'est QFD. Voilà. Et donc ensuite, tout le reste, c'est la négociation des ciphers. Voilà. Alors vu que là, j'ai fait un SSH-V, il y a du risque quand même qu'il y ait des choses qui soient verbeuses durant la connexion. Donc je vais juste enlever hop, le -V et m'y reconnecter comme ça. Est-ce que j'avais installé Tmux là-dessus? Non, il n'y a pas de Tmux. Alors peut-être que je le rajoute directement dans le lab, enfin dans le code du lab Ascode, le Tmux. Sauf que ça fait comment dire, ça fait rajouter une étape au déploiement. Alors pour revenir quand même sur la deuxième partie de la remarque de The Bidouilleur qui dit qu'il a uniquement une carte graphique pour Plex. Donc moi ce HomeLab je ne l'allume que lors des streams ou lors des what? Ah oui, je crois que je sais. Je crois qu'on a eu le même problème la dernière fois. Je pensais l'avoir résolu celui-là. Si je fais un dig, j'ai dit... Ah non, j'ai pas la... Bon. Alors, SSH. Hop. Là-dessus. Donc, pour en revenir, pendant que je débug le DNS... Pour en revenir à l'histoire de Plex, alors moi non, je n'ai pas Plex. Ok, il a fail et il a dit qu'il ne pouvait pas assign requested address. Ok. Je pensais que j'avais corrigé ça. Hop. Ou alors il a peut-être démarré trop vite. Donc moi je n'ai pas Plex, j'utilise, je dirais en tant que machine de type, donc oui mon HomeLab je ne l'allume que rarement, enfin rarement, je l'allume pas constamment, je veux dire je l'allume pour par exemple préparer les streams ou faire certaines expériences ou effectivement durant les streams, mais je l'allume pas en mode production, j'ai un NAS. Qui lui reste allumé la plupart du temps, mais il n'a pas de carte graphique non plus, enfin à part la carte graphique, enfin, la puce intégrée, et je ne fais absolument pas de décodage d'éventuelles vidéos que j'aurais sur ces disques durs pour les mettre par exemple sur la télé que vous voyez hop, derrière moi par là. Donc ça c'est bon, ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir faire la même sur le 2 parce qu'à mon avis il doit y avoir la même sauce. Ouais c'est ça. Donc a priori juste un petit restart. À mon avis il doit vouloir démarrer un peu tôt. Je pense qu'il va falloir que je revoie la conf. Ok, ça on est bon. Voilà. Donc, bon, là je veux m'installer Tmux, bon, c'est plus pour me faciliter la vie. Ce que je vais faire maintenant,
que la connexion SSH est fonctionnelle, c'est je vais aller venir dans un petit navigateur web qui, lui, est donc sur mon poste de stream. Parce qu'un truc que on aurait pu voir d'ailleurs dans le SSH-V, c'est que je lance un proxy SOX avec ma commande SSH. Et donc, on va aller dans les paramètres de Firefox, on va lui dire « file-moi les paramètres de proxy ». Tiens, d'ailleurs, ce Firefox-là est en français, alors que le reste de mon système est en anglais. Alors ça, c'est un Firefox... C'est pas le Firefox du système, c'est Firefox Developer Edition, donc j'ai en gros téléchargé le binaire chez Mozilla, pouf, dans un répertoire, je colle une icône dans le doc de GNOME, et puis c'est fait. Donc, on va lui dire qu'on veut un proxy SOX, hop, ici, en 127.0.0.1, ça c'est le port sur lequel je l'ai configuré avec OpenSSH. Et il est en SOX V5, et du coup, ce que je peux faire, c'est utiliser un DNS distant lorsque le SOX V5 est actif. Donc, il va utiliser le DNS de la machine vers laquelle je proxifie. Donc, en l'occurrence, de ISP1 VPS1. Ce qui fait que maintenant que j'ai mon OK qui est là, je dois pouvoir faire un truc du genre http://isp3vps1.example.com si Nginx est lancé. Et a priori, ce n'est pas le cas. Donc je me connecte vers isp3vps1. Ah oui, zut. Parce que je l'ai laissé directement comme ça, c'est .example.com. Voilà. On démarre Nginx, notre serveur web adoré. Je lui dis en HTTP uniquement. Et voilà, j'ai ma page de test. Et ce qui est assez cool, c'est que non seulement j'ai ma page de test, mais j'ai ma page de test avec le FQDN. Alors bon, je sais pas si ça vous... Moi, en tout cas, je suis assez content. Ça va être un confort non négligeable pour pouvoir tester que les modifs qu'on fait fonctionnent, notamment sur des serveurs web. Je la trouve assez classe, d'ailleurs, cette page de test de Fedora. J'ai l'impression qu'en gros, ils l'ont faite de façon assez commune pour de nombreux serveurs web, et je la trouve assez propre par rapport à ce qu'il y avait pu avoir avant. Donc j'en suis content. Du coup, Temux est installé, sauf que... Je vais installer mon petit confort. Hein. Qui a dit -p git / github. Hop. Voilà. Et donc, tiens, ça va être l'occasion, parce que je ne vous ai pas forcément montré quand je vous en avais parlé. Si je bouge la tab dans, hop, ici. Donc là, en gros, et d'ailleurs, je vais vous le copier-coller dans le chat, ça, c'est le code Terraform et Ansible et CloudInit pour monter vous-même le lab. Dans mes autres projets, il y a RunLab, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est assez pratique, que j'aime bien. Et donc, moi, ensuite, j'ai mon petit confort qui s'appelle CFG Files. Hop, que je vais m'empresser de git clone tout ça tout de suite. Hop. Alors, d'habitude, je dis que je rajoute les liens dans le chat du Discord, puisque donc la chaîne a un Discord, donc vous retrouvez l'adresse par là. Mais bon, je crois que ça fait 25 fois que je les copie-colle ceux-là. Donc vous pouvez retrouver dans les anciens liens du live sur le Discord de la chaîne qui est en accès ouvert. Et c'est pas RunLab que je voulais cloner. Hop, c'est CFG Files. J'ai l'impression que ça m'a tout perturbationné, cette histoire de chat. Est-ce que j'ai make? Je crois pas, hein. Non.
Allez, on va installer vite fait Make. Alors pourquoi j'installe Make? Tout simplement parce que j'ai un Makefile ici et j'ai une cible Make install qui me fait tous les liens symboliques qui vont bien. Et ensuite, on sera bon. J'aurais quand même pu prévoir ça avant. Voilà. What? Alors j'ai tous mes alias. Non, je n'ai pas mes alias, tiens. Me serais-je trompé de machine? Me serais-je trompé de machine? Ah oui, je l'ai fait sur ISP3 VPS1. Ok, tout va bien. Tout va bien, les amis. Hop. Il est où, mon MKDIR? Il est là. Hop. Et ensuite... il est où mon guide clone? Hop là. Il est ici. Hop. Je clone. Make install. Voilà. Je déco, je reco. Ah, voilà. Là, j'ai mon petit confort. Je suis content. Ok, très bien. Ouais, j'ai tous mes alias. Super. Bien. Donc. Surtout dans mon SRV. Ah oui, j'avais fait un SRV Git. Ok. Alors, on va retourner là-dedans justement. Et si je fais un petit history, pas de grep, playbook. Hop, on peut refaire un petit check. Et donc, en gros, qu'est-ce que ce playbook faisait? Ce playbook, je crois qu'il se contentait d'installer Nginx. Et de le démarrer. Sauf que comme on l'a vu à l'instant, enfin à l'instant, il y a quelques minutes, ce playbook, il n'a pas configuré Nginx de façon à démarrer au démarrage. D'une part. D'autre part, le site internet qui est dessus, on l'a visité, hein, c'est pas de la... comment dire? C'est une page de test. Ça casse pas trois pattes à un canard. Même si elle est jolie, hein. Moi je la trouve jolie. Mais j'aimerais bien qu'on ait un truc un petit peu plus sympa. D'ailleurs on le voit bien, hein. Vous voyez, je l'avais démarré à la main le Nginx. Et là, on voit bien que voilà, il a récupéré les informations via Ansible. Il a vérifié que c'était bien la dernière version qui est installée. Donc jusque là, tout va bien aussi via Ansible. Et là, quand je lui dis est-ce que Nginx est démarré? Quand je lui dis vérifie que Nginx est démarré, si c'est pas le cas, démarre-le. Il n'y avait pas de soucis sur le VPS 1, mais 2 et 3, eh ben non. Pas de soucis, The Bidouilleur, je te souhaite une bonne soirée à toi aussi, et j'espère que la rediffusion te plaira. J'en profite pour signaler d'ailleurs que les rediffusions sont dispo pendant 2 semaines sur la chaîne Twitch. Et que moi ensuite, au bout d'un moment, je les envoie sur YouTube. J'ai quelques vidéos qui ont été exportées, là il faut que je pense à les uploader et à faire les titres et les vignettes. ISP3 VPS2, donc forcément il y a eu un changement. Donc à la limite même, ce qu'on peut faire maintenant, c'est vérifier que si je vais sur ISP3 VPS2, je vais me retrouver avec... Non, j'ai dit en HTTP. Et il insiste pour le passer en HTTPS, je comprends pas pourquoi. Il dit quoi là?
Connexion échouée. Ah, mais je pense que c'est parce que je l'ai. J'avais un peu. Ouais, c'est ça. Hop, allez, on va quitter le navigateur, on va le relancer. Hop. D'abord, je me connecte en SSH. Je fais mon petit TMUX. D'ailleurs, c'est bizarre, le TMUX, il fait quand même CTRL B et pas CTRL A. Parce que moi, je suis un vieil utilisateur de screen, de GNU Screen. Et du coup, je mettais mon modifier en CTRL A. Alors. ISP3VPS1.example.com. Ok, on est bon. ISP3VPS2, il en veut pas. Tiens, ça c'est étonnant. Ça c'est surprenant. Est-ce qu'on n'avait pas des trucs du genre. Non, ah si, peut-être le firewall, non? Non, le firewall n'est pas installé sur les machines. On va aller vérifier ça. Couldn't. IPS. Alors déjà. Hop. Voilà. Ah tiens, Nginx tombe pas. Comment ça se fait? Alors quand j'ai refait mes trucs, il est où mon playbook? Je relance le playbook, hein. Normalement, il est censé me dire, au fait, tu les as démarrés. Ansible serait-il en train de me faire mentir? Ah non, tiens, change, ok. Ah oui, mais c'est parce que j'ai fait un check. C'est pour ça, c'est parce que j'ai fait juste un check. Donc, en gros, il te dit, c'est ce qu'il ferait, mais c'est pas ce qu'il a fait. Hop. Là, maintenant. Là, maintenant, on devrait être bon. Voilà, là Nginx tourne. Alors forcément toujours pas en HTTPS. Mais voilà, là il tourne. Et si je lui dis fais-moi le VPS numéro 3, et bah il tourne aussi. Ok. Ça c'est très très cool. Et maintenant moi ce qui va m'intéresser, c'est d'aller éditer ce truc là. Et pour le moment, en fait, on a un truc assez basique. Et ce que je me disais, c'est qu'on pourrait peut-être aller un peu plus loin. Et on va essayer de setup. On va essayer de setup un truc juste pour ISP3 VPS1. Hop, ISP3 VPS1. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on installe un site sur l'ISP3 VPS1 qui réponde sur le hostname ISP3 VPS1.example.com et juste sur celui-ci, qu'on fasse tout le déploiement via Ansible. Et qu'on fasse en sorte qu'on puisse ensuite en déployer d'autres. Pourquoi pas. Donc on verra, je pense qu'on essaiera d'itérer un peu sur ce système-là. D'abord, ce que je voudrais faire, c'est m'assurer déjà d'avoir un truc avec un Nginx un peu propre, ce genre de choses-là. Et pour ça, ce que je vais faire, alors je vais pas aller ici, ça c'est le code Terraform. Là je suis sur Marvin. Là j'avais fait le run lab. Allez, Git, GitHub. Et
Certains d'entre vous qui regardent cette chaîne depuis quelques temps savent que j'avais fait un peu un premier, comment dire, j'avais fait un truc un peu en mode on se lance sur le sujet au moment où, enfin pour moi c'était en partie un peu nouveau, où j'ai commencé à faire du Terraform et où j'ai fait un peu d'Ansible sur une instance Google Cloud gratuite. Et j'avais mis ça dans, hop, dans ce dépôt-là. Hop, que vous pouvez trouver d'ailleurs aussi sur GitHub. Hop là. Si je vous remonte dans le profil, il y a un truc qui s'appelle, voilà, Jubilant Octotribal. Hop. Je vous le poste dans le chat. Alors du coup, vous ne le verrez pas, vous ne verrez pas l'URL si vous regardez cette vidéo en replay. Mais en gros, github.com/ahpnil, c'est le repo, s'appelle Jubilant Octotribal. Et dedans, on trouve notamment un petit peu d'Ansible. Et j'avais essayé de faire un rôle web server. Et je pense qu'on va se baser dessus, en fait. Et oui, je vais installer Vim pour avoir la coloration syntaxique plutôt que le VI classique. Ouais, Vim Enhanced, mais bon. Il a compris ce que je voulais. Hop. Est-ce que j'ai mon alias? Ouais, j'ai mon alias. Hop, super. Alors. Si on revient dans SRV, hop, ok, ça c'est cool, maintenant on a la coloration syntaxique. Donc on va créer un rôle. On va créer un rôle, et ce qu'on va faire pour le moment, peut-être ce rôle, ce que je vous propose... c'est que je vais l'appeler ISP3 VPS1, je pense. Donc a priori, si je reviens sur sur mon repo, j'avais fait un dans Ansible, j'avais fait roles, et dans roles j'ai fait on va lui dire ça. Alors, je ne suis pas forcément certain que ce soit l'idée du siècle comme nom. Si jamais vous avez une suggestion, je suis preneur d'ailleurs. Hop là. Une suggestion pour le nom du rôle. Parce qu'en gros, je vais mettre un Nginx, je vais poser un code HTML dessus, et puis, c'est tout, en fait. Et du coup, pour le moment, je vais le poser juste sur cette machine-là, en fait, sur ISP3 VPS1. Web server Nginx demo. Oh, allez, soyons fous. Ça aura le mérite d'être parlant. Et a priori, si j'ai bien saisi, il nous faut mettre un task, un var. C'était var avec un S, voilà. Et dedans, on va avoir un main.yaml. Et dans le main.yaml, hop. YAML ou YML? YML. Hop. Alors, je vais pas m'embêter. Pour le moment, on va... Hop là, non, je veux pas quitter. Hop. Si je fais ça, je pense qu'il va pas être content. Voilà. Vous savez quoi? Je vais pas m'embêter la vie à un moment. J'ai SSH. Ça marche encore mieux. Oui, je peux faire 2.setPaste aussi.
Mais à la limite, pourquoi m'embêter? Hop, web server. Ouais, j'avais des trucs là-dedans. Alors, est-ce que AirSync passe? Oui, AirSync passe avec les différents jumps. Donc ça va être encore plus simple, puisque ici, dans ce cas-là... J'ai oublié un peu que je pouvais... Hop. Voilà. Et donc là, a priori, j'ai tout ce que j'avais... Ah, tri n'est pas installé. Donc, task, celui-là, et vars, celui-là. Hop. Voilà. Donc, a priori, je crois que tout ça, c'était pour récupérer le contenu de mon site. Sauf que tous les chemins sont des chemins Debian. Salut à toi, Mobitatem. Alors, il n'y a pas de Mobitatem si jamais tu t'attends à avoir le chat dans ma vidéo, genre là. Si tu es déjà venu d'ailleurs, je crois. Il est actuellement en panne. Je ne sais pas pourquoi. Hop, je checkerai ça un peu plus tard. Alors. Dockroot, local content repo, remote content. Ouais, bah écoute, c'est très bien, c'est ce que je voulais installer. Voilà, donc je vais éviter de refaire deux fois la même chose. Je vais juste l'adapter pour mes petits besoins. Donc a priori. Ce que je vais vouloir faire, c'est changer ici le template. Enfin, en tout cas, l'emplacement. Puisque si je vais sur, sur une autre, un autre onglet et que je me connecte sur ISP3 VPS1, hop, et que je fais un petit sudo moi et que je vais dans le TC Nginx. Voilà. Donc, moi, je vais vouloir le mettre dans conf.d. Ouais, je vais vouloir le mettre dans le conf.d. Et le fichier, on va l'appeler isp3vps1.example.com.conf, parce que ce sera ce site-là qui sera dedans. Et donc, bah le server name, justement, on va le configurer. Ce sera ça. Hop, voilà. L'access path, l'access log. Alors du coup, on va essayer de changer un peu toutes ces choses-là. Je me demande d'ailleurs s'il ne faudra pas que je crée des répertoires avant. Et je pense que c'est ce que je vais vouloir faire à ce niveau-là. Je vais lui dire doc root 3w base, ce sera srv 3w, srv 3w html, srv 3w repo. Ça, c'est pas mal. On va faire. Enfin, un 3w logs, log, dire. 3w base, hop, log. W TMP. Parce que je sais que des fois ça peut servir. TMP. Voilà. Et en fait là, le doc route. Non, je vais pas l'appeler doc route. Ah si.
Je vais le laisser Doc Root pour pas tout chambouler là-bas. Mais ce sera 3W base. Ah, mais juste, je me suis trompé. 3W base, du coup, slash, je dis ISP3 VPS1. Et lui, ce sera public. Hop là. Donc en gros, qu'est-ce que je viens de définir? Je viens de définir une arborescence. Cette arborescence, je vais vous la mettre dans un... j'edit, hop là. Hop, je vais monter un peu la taille. Préférence, fond et color. T'es où? Ici. Hop, et on va lui dire 30, 36, pas mal ça. Hop, voilà. En gros, ce que je veux, c'est avoir un slash SRV slash 3W dans lequel je vais mettre. Dans lequel je vais mettre un slash ISP3 VPS1.example.com. Dans lequel je vais mettre un public dans lequel il y aura le contenu, les pages HTML. Ensuite, ce que je veux, c'est rajouter un répertoire de log dans lequel je vais pouvoir mettre mon access et mon error log. Et je veux faire un TMP. Voilà, c'est ça. Et le truc du remote content repo sera pour aller récupérer le contenu du site. Ou en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais cloner quelque part. Et ensuite, je vais tout déplacer je vais tout mettre dans ce répertoire-là. Donc, allons-y. Donc, ce sera pas varlog machin. Ce sera. Hop. On a normalement des variables. Donc, ce sera. Paume dans mes trucs. On sera dans. Non. Hop, GT, ça c'est pour aller changer de. Hop. On sera dans. C'était le répertoire de log. Donc on sera dans celui-ci. Hop. Donc. Voilà. On sera là-dedans. Et normalement c'est bon hein. Logdir c'est 3W base donc ça slash log. Ok. Par contre il va peut-être falloir que je crée toutes les arborescences avant. Donc il va falloir que je redémarre ici. Donc handle document route part 1. Ah oui c'est vrai que je l'avais fait en trois parties parce que il existe et pop, 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 pop. Le pass ne pointait pas. Pas sur un fichier, non. Le pass pointait sur un. Ah, si, le pass, oui, effectivement, si, tu as raison. Parce qu'on était dans l'access log. Et donc, l'access log, et donc, du coup, ça devrait être slash. Hop. Alors, comment est-ce que je fais pour rajouter les. Comme ça. Access.log. Ouais, c'est ça. Hop. En dehors des. Ouais, c'est bon. Donc ça, a priori, le docroute, on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un truc ici et je vais dire... non, mais t'as bien vu, Yoda. Franchement, t'as bien vu. Donc, on va dire handle doc handle popopopom. Other web directories. Et là, on va lui dire, ah oui, ça c'est le stat, ça c'est le pass, state. Donc on va lui dire, pour le moment, on va rester sur la même chose. Alors, je crois qu'il y a moyen de faire des boucles, hein, mais on va pas s'embêter la vie pour l'instant. Donc ce sera pas de docroute, ce sera pop, 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 ce sera
fera wlogdir. Et non, je dis. Hop là. On dirait presque du soulsack. Non, jure. Hop. Alors, pour celles et ceux qui se posent la question, SoulStack est un système de gestion de configuration concurrent d'Ansible. Et qui, effectivement, comme en Ansible, tout son système, ouais, c'est alternatif. Oh, c'est des concurrents, hein, quelque part. Hein. Mais en gros, ce qui est notable quand même, c'est que ils utilisent tous les deux la syntaxe YAML pour définir leur pour définir les configurations, les états désirés. Puisque SoulStack comme Ansible, l'idée c'est de définir un état plutôt que de définir des actions. Donc j'ai mon logdir et je vais recopier la même chose sur le tmpdir. Alors on va faire handle, on va dire log directory. Handle tmp hop alors pour le moment j'y vais plutôt gentil, j'y vais étape par étape. Pour le moment je crée mon arborescence, mais elle appartient à root. Elle est en chmod 755, ce qui est quand même relativement ouvert, mais pas trop. Enfin, j'ai envie de dire un peu limite à mon goût, mais bon, on va poser un site web statique, on va pas se prendre le chou. Salut à toi, Tololo83, bienvenue sur le live. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si j'ai fait tous mes répertoires qui vont bien, je sais qu'il va me falloir log. Alors, je pense qu'il va falloir que j'aille regarder dans le comment dire, dans Ansible Galaxy, le truc Nginx officiel. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai un peu oublié les terminologies depuis le temps. Git rsync. En plus, je crois que c'est git base, mais git core. Mais bon, déjà, on va vérifier que ça passe. Alors ça, le index Nginx Debian, normalement, pas besoin. On va même laisser juste index.html dans le docroot. On va déjà essayer de déployer ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, ce sera un bon point. On va éviter d'écrire 25 millions de trucs tout de suite. Hop là. Et ah oui, j'ai fait 2.wq. Oui. Hop. Décidément. Donc, à partir du moment où on a ça... non, je vais pas en créer un. Hop. ISP3 VPS, hein, c'est pas ce qui nous intéresse dans l'immédiat. Donc, j'ai mon... qu'est-ce que j'aurais zappé de mon... Alors, avant d'utiliser le rôle, je dois avoir un webserver.yaml. Ouais, voilà. Allez, hop. Ce qu'on va faire, hop, ce qu'on va revenir là. Et on va l'appeler. Bah, d'ailleurs, on va l'appeler. Voilà. Bon, là, je me casse pas la tête. Hein, Oui, j'ai encore oublié le set paste. Hop. Voilà.
et host, ce sera ISP3 VPS1. Si je ne m'abuse, et le rôle, du coup, ne sera pas juste web server, ce sera web server Nginx démo. Voilà. Par contre, qu'est-ce que je pourrais avoir oublié? La machine s'appelle bien... Non, c'est bien ce que je pensais. Hop, il faut l'appeler avec son nom complet. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, hein, et que j'ai rien oublié dans ma recopie. Ah, j'avais fait que la partie Terraform, là. Hop là. Ah si, je crois que j'avais fait un Ansible qui était lancé directement depuis Terraform. Je crois que j'avais fait ça, hein. Non. Je me repose la question. S'il y a un remote exec avec des scripts. Le truc fait un setup. Ah non, je lançais le Ansible moi-même, visiblement. Bon. Hop là, allez. Ça, ça revient. Hop. Ici. Donc, eh ben, on va pouvoir lancer notre playbook, hein. Sauf que ce sera du coup. Hop. Ah bah mince alors. Ah oui. Alors, il faut que j'installe. Il faut que j'installe le Bignou, si je me rappelle bien. Alors. Comment on installe ça déjà? Alors je suppose que là, si je cherche à aller sur internet. Est-ce que ça marcherait? Oui, ça marcherait. Ansible Galaxy. Comment ça s'utilise? Collection Download. Voilà, c'est ça que je veux. Oui, mais non, ce que je veux, c'est... Ah, bon, bah on va repartir sur la doc. Que ce que je veux, c'est installer une collection. Ansible, pleinement. Ils ont un quick start normalement. Getting started, ouais, mais c'est peut-être un peu. Je veux pas aller faire tout le quick start. Ansible démo. Ah oui, non, ça c'est les. Ok. Galaxy User Guide, bah voilà. Installer une collection depuis Galaxy. Ok. Collection install. Alors je vais récupérer quand même. Role, web server. Et ce que je veux dans les tasks, c'est le main.yaml. Zut, alors je fasse un less. Ou pas. Alors je crois que c'était le Nginx. Ah oui, import role, tiens. C'est ça, allez. Salut à toi, Kenny. Kenny C97440, pardon. Hop, Ansible Galaxy Collection install. Et je crois que c'est Nginx. Hop. Fail to resolve the request dependencies map. Ah. Alors, est-ce que je peux tenter déjà de faire un ping? Galaxy.ansible.com. Bon, au moins, il répond. Ansible Galaxy. Et moi, je cherchais Nginx. Search. Hop. Et donc, le truc de chez Nginx Inc. Et on a le Nginx config de mémoire.
Hop, ça va plus vite. Hop là. Et donc, je peux copier la commande d'installation. Bon, c'était la même, non? Copy to clipboard. Hop. Install. Nginx. Ah non, c'est Ansible. Ah oui, j'avais fait collection install. Ok. Ok, donc là, on est bon. Allez. On retente. Mon petit lancement de playbook. Alors. On peut pas... Missing collection ansible.posix.synchronize. Ah alors. Et on avait dit celui-ci aussi. Hop. Alors ce que je vais peut-être faire, parce que je pense que ça va m'aider, enfin comment dire, il y a un certain nombre de packages que je suis en train d'installer, des packages RPM. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. Je vais aller dans la partie Cloud Init. Et user data. Et en gros, ici, vous voulez voir, vous voyez, il y a Ansible Core. Donc on va rajouter les packages que je viens d'installer. Donc il y a celui-ci. Et l'autre, c'était POSIX. Hein. Ansible Collection. Hop, Ansible POSIX. Hop. Et la question que je me pose, c'est en installant tout ça, j'ai perdu mon... Je suis là. Ok, est-ce qu'il a installé d'autres trucs? Ou est-ce qu'en termes de dep, de dépendance... Parce que là, j'ai un autre truc de Ansible Packaging, mais je suis pas... On va essayer ça, on va bien voir ce que ça donne. Mais ici, il faudra que je pense à comité ce soir. Que en gros, si je veux depuis ISP1, VPS1, bootstrapper mon truc, eh ben il me faut ces packages-là. Alors. Non, il manque encore un truc. Le rôle Nginx Inc.nginx. Ah. Alors. Hop, c'est celui-là. Ça, je sais pas encore comment je vais pouvoir faire pour, entre guillemets, gérer l'installation de façon... Ah, remarque, si, je peux peut-être le lancer. Parce qu'à partir du moment où j'ai... Ah, il doit bien y avoir un rôle Ansible, non? Qu'est-ce que vous en dites? On pourra voir ça après. Est-ce qu'il n'y aurait pas genre un rôle Ansible pour installer des collections? Je pars un peu dans tous les sens ce soir. Je sais pas si... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je m'éparpille. Il y a des jours comme ça. Oula. Donc là, en gros, ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai installé des rôles, enfin des rôles. J'ai installé un ensemble de collections qui viennent de Ansible Galaxy et qui sont maintenues par les gens de chez Nginx. Donc c'est un peu des rôles officiels. Et qu'on avait pu voir lors de précédents streams. A priori,
A priori, il a tout installé, il a changé des trucs. Il en a sauté plein parce que forcément, le truc est prévu pour genre 42 distributions Linux. Donc, on va le relancer une deuxième fois, puis on va voir si cette fois-ci, il y a des choses qui changent toujours. A priori, ouais, il y a des trucs qui sautent. Ok, donc en gros, il a rien modifié. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Maintenant, la question que je me pose, c'est si je vais sur ISP3 VPS1.example.com. Il va vraiment falloir que je change ça. Hop. Qu'est-ce qui se passe si je fais un sudo systemctl restart nginx? Eh bien, ce que je craignais. La configuration en question n'est pas. Il a fail et il a fail parce que le test a fail. Parce qu'il n'arrive pas à ouvrir l'access log. Permission denied. Ah oui. Donc il faudrait que ça appartienne à l'utilisateur Nginx. Je pense. On va aller vérifier ça tout de suite. Non. Eh non, je suis en train de penser à un autre truc. Oui, il y a ce Linux, hein, on est sur de la Fedora. Donc, si je refais un restart. Là, cette fois-ci, ça passe. Cette fois-ci, ça passe. Et là, je pense que certains vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu laisses ce fichu SE Linux activé? Ben, SE Linux, c'est quand même fait pour la bonne cause, entre guillemets. Ce que je vous propose, ben, c'est qu'on continue sur cette lancée de SE Linux. Donc, je vais le remettre en enforcing. On va passer route. Hop là. On va aller dans. Hop, dans var, non, var log. Hop. Et dans varlog, on a deux trois trucs intéressants. Et ce qui est intéressant dans le varlog, c'est qu'on a un répertoire qui s'appelle audit. Et dans audit, on a un audit.log. Et si je fais un petit grep-i denied dans mon audit.log, et ben on peut voir que en gros. SE Linux, il dit, au fait, mec, t'as pas le droit d'aller écrire dans slash srv, slash 3w, parce que ce n'est pas un contexte. Voilà. Alors, on peut s'y prendre de plusieurs manières. Pendant que je remonte mon siège. Voilà. On peut s'y prendre de plusieurs manières. La première manière, c'est qu'on ramène nos fichiers gentiment, sagement, dans slash var slash 3w. Parce que si je fais un ls-hlz slash var, on voit qu'on a. Tiens, il n'y a pas de var 3w. Ok. Alors, est-ce que ce serait le user share nginx qui serait placé comme ça? User share nginx. Et dedans, on a un répertoire HTML qui a, on peut voir, hein, c'est ce que affiche le grand Z dans LS. C'est, on a, voilà, système U, object R, HTTPD, sys, content. Donc, surtout cette étiquette-là qui dit, au fait, ça c'est un truc serveur web, un serveur web a le droit de le lire. Voilà.
Donc ça veut dire que on va peut-être aller jeter un œil du côté d'Ansible, enfin de la doc Ansible. Et si je fais Ansible SE Linux label. Manage SE Linux label. Ansible POSIX SE Linux. Alors. Donc là, le truc, il nous propose d'activer ou pas SE Linux, de le mettre en permissif. Alors on pourrait juste dire, vas-y, je te colle en permissif. Le truc, il ira hurler dans les logs et puis il se passera rien. Ou presque. Moi, ce qui m'intéresserait un peu plus, ce serait plutôt d'aller rajouter plutôt, d'aller appliquer un label. Ah bah voilà, SE Linux label. Est-ce qu'il y a moyen? Ansible doesn't apply le nanana. Ouais, mais il utilise quoi comme Je suis pas sûr que ce soit. Alors là, il y a un article Computing for Geeks. On va voir un peu ce que ça donne. Ouais. Bon. Alors, comment marche SE Linux? Ça, on sait. Managing SE Linux. Oui, moi, ce que je veux, c'est faire avec du. Alors, avec Ansible. Il nous dit quoi? La policy targeted permissive, oui, ça on sait. Et les contextes, file contexte, ça va nous intéresser. Et là, il nous dit. Ah oui, il faut qu'on installe certains packages, donc on va s'assurer, tiens, qu'on les a sur notre cible. Python 3, libse Linux. Ok, on l'a, ça c'est cool. Et là, par contre, on ne l'a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà revenir dans notre truc. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire un rôle générique. Enfin, je vais faire un rôle genre base, entre guillemets. Que je vais appeler du coup base.yaml. Base aussi. Hop. Et ce qu'on va faire dans les rôles ici. On va faire base. Donc il me faut files, handlers. Template et vars. Hop. Et je vais mettre un main.yaml dans tout ce petit monde.
Voilà. Maintenant, ce que je peux faire... c'est lui dire... Installer les software dependencies, ça me plaît bien. Hop. Git rsync, c'est pas mal, mais on va rajouter... Ce qu'on a vu dans le truc, qu'il faut installer ce package-là. Il me faut ce package là aussi. Voilà. Et ça, ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Alors, si jamais je lance le rôle comme ça, ça va peut-être faire un peu bourrin. Ce que je vais faire... Alors, comment est-ce qu'on limite à une seule machine? On peut lui dire un genre un moins moins host ou un truc comme ça. On peut le... On lance le playbook, ça c'est une chose. Moins U remote user, ok. C'était pas genre un truc genre moins L pour limiter à la... Moins L subset, voilà. Donc, si je reprends ma commande de playbook. Playbook Ansible et que je fais un petit moins, alors juste par précaution, moins D, et je lui dis point slash base point YAML. Là, il va vouloir me lancer. Poup, 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 poum. Ah, tiens, je me suis trompé. C'est task main.yaml. Hop là. Alors, je me suis trompé, il y a une erreur. Ah, ce serait packages. Ou alors, il me manque un truc. Non plus. Ah, je crois que c'est que je me suis trompé dans le... Ouais, non, c'est pourtant package comme ça. Alors, il n'arrivait pas à lire le JSON. L'erreur, ligne 2, colonne 13. Ligne 2, colonne 13. Ou alors avant il disait... Alors si je le relance, pour avoir la bonne... Ligne 2, colonne 12, mais ça peut être ailleurs. Ok, soit. Alors, a priori, là, on voit qu'il se lance partout. Et c'est justement ce que je voulais montrer. Oui, bon, alors, fatalement, oui, il a pas tout... Voilà, donc il y a des trucs qui sont unreachable parce que les clés SSH n'ont pas été acceptées. Mais ce que je veux faire ensuite, c'est moi, c'est le limiter moins L à ISP3VPS1.example.com. Hop. Et donc là, il ne se lance que pour ISP3VPS1. Voilà. Et on est en moins grand C, ça veut dire en gros, il ne fait que du check.
S'il ne fait que du check, ça veut dire qu'il ne fait pas d'action en réel. Et donc pour le moment, il est juste en mode, au fait, il manque des packages. Donc cette fois-ci, hop, on va lui dire, allez, viens. Installe-moi des petits packages RPM, s'il te plaît. Voilà. Et si je le relance une deuxième fois, en toute logique, tout devrait déjà être installé. Ouais, parfait. Parfait. Donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est retourner dans mon rôle, mon web server démo. On va aller dans les tasks, dans main.yaml. Et ce qu'on va pouvoir lui dire, d'ailleurs, on va même pouvoir virer cette software deps. On va pouvoir lui dire, au fait. Alors, on va pouvoir appliquer un contexte SE Linux. Mais là, en fait, ce qu'il dit, c'est d'utiliser. Ah oui, voilà, c'est celui-là. Allo, Apache, to modify. C'est exactement notre. Enfin, on est presque sur ça. Donc, on va revenir. Ici. Et on va lui dire name. Apply. Non, c'est. Ouais, allo, c'est pas mal ça. Allo, Nginx to read. To read. Oui, parce que oui, du coup, si CRW content, ouais, si c'est pour le répertoire de log, ça va être intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, to read. Je veux pas faire écrire Nginx dans le document root, il en a pas besoin a priori. Donc, read files in, in docroot. Hein. Non, c'est base, c'est mon truc de base en fait. Hop là. Si je reviens ici et que je fais un petit vim-p de rôle, tac tac tac, et que je vous fais un petit task, virgule. Vars, hop, voilà. Là, donc ce serait 3W base. Hop. Il est où moi ce mon truc? Hop. Voilà. Et donc, on va dire que il me faut Community Général, hop, ça, Target, ça c'est très bien ça, sauf qu'on va lui dire, remarque, ça se trouve, ça va suffire. Hop, on va voir. Hein. Et là, on va mettre 3W base. Hop, voilà. On va espérer que ça passe comme ça. Je suis pas sûr de la syntaxe, honnêtement. Et le SE type, on va lui mettre. Alors, pour le moment, vu qu'on veut juste un read, on va lui mettre. Zut. Hop. Donc, il faut que lui mette le HTTPD 6 content T. Voilà. Hop. Donc le SE type, hop, comme ça. Et ensuite, state présent. Ok. Donc ça déjà c'est pas mal. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser un peu plus. On va autoriser Nginx. Write log files. In du coup 3W logdir et donc on va lui dire ici bon, je vais mettre ce que je mets habituellement, c'est avec les doubles côtes
Et ici, par contre, ce sera pas le même. Ce sera celui que eux, ils me proposent. Qui a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà. Hop. À partir de là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, de relancer mon playbook. Qui est donc celui-ci. Ah non, ça c'est base. C'est celui-ci. En toute logique. Toute logique, ça devrait le faire. On y croit, hein. On va rester optimiste. Jusqu'à présent, ça se passe pas trop mal. Voilà, donc il a changé. Alors ce que je suspecte par contre, c'est que si je relance le truc, en fait, il va quand même changer. Et ce, pour une raison très simple, c'est que d'abord, je lui demande de tout appliquer sur en read, et après, je lui dis, eh, au fait, rajoute-en un en write. Ce qui veut dire que si le serveur web prend des requêtes à ce moment-là, ben, en gros, il peut y avoir un instant où les logs sont... Là, je pense qu'il va, il va me refaire la partie SE Linux. Ah non, il me dit OK. Il me dit OK. Ah. J'ai été mal... Aurais-je été mauvaise langue ou... Ou pas. Pourtant, il configure SE Linux. C'est bizarre, cette affaire. Ah oui, mais il le configure pour son propre... pour la partie uniquement Nginx en direct, quoi. Donc. Maintenant, si je vais dans... si je fais un s-hlz de slash srv. Tout va bien. 3w, ben... Voilà. Object var, ISP3. Ah oui, du coup, c'est à l'intérieur de là. Non, tiens, il a rien. Ok, unconfined. Et le log non plus, il est pas modifié. Ah. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Là, il me manque un truc qui m'embête un peu. Ce serait des logs. Debug false. Debug output, nanana. Ouais, mais tu les mets où les... Log pass. When empty, login is disabled. Ok. Ah. Allez, on va le mettre dans ce HTMP et puis on va relancer. On va relancer notre... notre playbook. Alors, du coup, je pense qu'il va me... Il va pas me dire beaucoup de choses, je pense, en fait. Là, je pense que si je relance Nginx, parce que j'ai un get en force qui normalement est en enforcing. Voilà. Si je fais un système CTL restart Nginx, voilà, il fail. Et pourquoi il va fail? Bah, il fail parce qu'il n'arrive pas à écrire ce qu'il faut dans... Voilà, c'est ça, il n'arrive pas à écrire les logs. Alors, ce que je peux faire, pour m'assurer que les choses sont pas mal... On remarque que j'ai lancé le playbook. Donc, on va attendre que le playbook se termine. Voilà. Euh...
Alors, setup SE Linux. Remarque, non, moi c'était un Halo quelque chose. Halo Nginx to read file. Ok, Halo. Ok, donc a priori pour lui c'est bon. Ça a été fait. Tu as cru voir sans slash SRV. Les logs ne sont pas dans Var. Alors non, les logs ne sont pas dans Varlog. Je veux les mettre justement ailleurs. Je me suis créé une arborescence. Une arborescence. Volontaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai des petits soucis avec SE Linux. Hein, mais justement, je trouve ça intéressant. Alors là, je suis peut-être un peu loin. Il était où mon Halo Handle TMP, Halo Nginx. 3W base. Et 3W log dir. Ah, c'est 7F contexte. Est-ce que par hasard, 7F contexte, ce serait pas... Il s'appelle Safe Context. On va aller regarder un petit peu. Non, ça c'est vraiment le mode SE Linux. Et si je fais si je cherche un safe contexte. Voilà, on a la doc officielle, voilà. SE manage F context command. OK. Oh bah, en plus l'exemple est vraiment ouais, c'est juste pour des fichiers normalement. Ah, le module est flagué en preview, attention. Parce que dans ce cas-là, moi j'aurais plutôt tendance à mettre autre chose. Alors, si je tape SE Linux là-dedans. SE Boolean, SF Context, permissif. SE Port, non. Non plus. Ok, ça c'est les ports, mais ça a priori pour le moment, pas de soucis. Ok, alors si si c'est un peu mal fichu. Je suis en train de me demander si ce serait pas plus simple, mais de carrément le désactiver, enfin de carrément mettre SE Linux en permissive, mais non, quelque part ça m'embête. Ah, mais en fait c'est parce qu'il faut que je fasse un restore con derrière. Ok. Hop. Ok, c'est pour ça. Faut être gentil avec SE Linux. Oui, tout à fait, Akumetsu. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Et ce que je me dis, c'est que le meilleur moyen de maîtriser SE Linux, c'est encore de pratiquer. C'est pour ça que plutôt que de bêtement
bêtement désactiver ce Linux, je me dis bah autant. Par contre, ce qui m'embête, c'est que là, je suis même pas sûr qu'il applique sur les répertoires. Mais bon, on va bien voir, hein. On va bien voir. Toujours caresser dans le sens des permissions. Tout à fait. Toujours demander l'autorisation. Le consentement, c'est important. Et bah allons-y, c'est reparti. On va relancer le playbook. Donc normalement, il devrait rajouter un truc. Il devrait dire à un moment, et au fait, j'ai fait une action en plus. Voilà. Hop, voilà, changed. Ok. Donc normalement, là, tout le reste, il l'a déjà fait. Donc ça devrait être tranquille. Alors. Je suis un restart. Non, toujours pas. Non, non, toujours en permission denied. Alors, on va les regarder un peu. SRV. Ok. 3W. Ah, lui, par contre, là, il y a le HTTP 6 content. Ok, ça, c'est cool. Pourtant, il a le 6RW content. Ok. Alors. A priori. Il voudrait. S contexte. T contexte. Ah, il faudrait que je lui mette httpdt, juste si... Ah. Ou que je mette systemr. On va mettre ça, on va voir ce que ça donne. Hop, allez. Ça se trouve, c'est juste le... Trouver les bons... Parce que là il était en permissive 1 avant, donc là maintenant il est en permissive 0, donc c'est ceux-là qu'il a eu. Alors la question que je me pose c'est est-ce que je remets la même chose ici? Alors ce que je vais faire, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un truc. HLZ dans var log. Voilà. Grep nginx. Et lui, il est censé être en comme ça. Voilà. Voire même S0. Tiens, allez hop. Donc lui, a priori, il faut lui mettre. Faut lui mettre ça. Et du coup, si je reviens sur le USR share, USR share, on a un Nginx quelque part, et le HTML, ce serait plutôt ça en fait. Hop, voilà.
Allez, c'est reparti pour un tour. Donc là, il va me refaire quelques petites modifs. Et normalement, au reload, enfin au restart, Nginx devrait être un peu plus content. Du moins, on l'espère. Alors, il a fail. Ah. Il a fail. C'est invalide. Ça doit être un file ou device type. Donc, à mon avis, ça va être ça qui gêne. Hop. Alors, je crois qu'on peut relancer. Je crois qu'on avait vu qu'on pouvait relancer des. Des types Nginx, enfin pas des types mais des tasks Ansible, justement comme ça quand on est quand on s'est planté en plein milieu, il y a moyen de redémarrer à cet endroit là. Non, toujours pas. Alors on va reprendre la syntaxe qu'il me disait lui, et il disait juste ce type comme ça à la fin. Donc ça voudrait dire qu'il faut que je lui mette alors ce qu'on va faire c'est qu'on va être juste par précaution dans un premier temps. On va lui dire comme ça. Hop. Allez, c'est reparti. Mais je crois qu'il y a moyen de lui faire repartir à une task. Mais je crois qu'il faut les. Faut genre les taguer ou un truc comme ça, je crois. Faut genre mettre un truc, non? Je sais plus. Faudra que je retrouve. Ah! Maintenant on parle! Voilà! Voilà! Hop, allons-y. Si je fais un petit... J'ai même pas fait gaffe si... Alors. Maintenant, si je refais un petit restart de Nginx en... Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il dit? Toujours un permission denied? Non. Alors, si c'est toujours un permission denied... pas varlog mais srv3w, ça ça a l'air d'être pas mal. Là on est bien, là on est bien. A priori... Ah non, lui, non. On va l'effacer, on sait jamais. Il a peut-être pris les mauvais... Ah voilà, c'est ça. C'est juste le fichier qui était toujours pas content. Donc à partir de là, eh ben, hop, on revient ici. Et normalement, on va réessayer. Alors ça, c'est ISP3 VPS2. Là, on va rafraîchir et... 403 Forbidden. Ok. Alors. SRV3W. Hop. J'ai un access.log. Ok. Mais l'error log étant toujours dans varlog nginx. Il nous dit directory index Forbidden. Ah bon? Ah bah oui, parce qu'en fait, voilà, il n'y a rien dedans, c'est dans content. Alors, ce qu'on va faire vite fait,
Ce qu'on va faire vite fait, c'est source. Ok. Ok, je vois. Je vois. Alors, est-ce que ça serait pas si je fais ça? Et on s'arrêtera là, je pense, pour ce soir. Je commiterai pas ce soir, je pense, parce que là, ça a pas l'air d'être très très fonctionnel. Je pense que je commiterai jeudi prochain. Il a réappliqué les changements. Ah, il a effacé le contenu content. Est-ce qu'il aurait bien mis les choses comme il faut? Oui, c'est directement dans le public. C'est bon, ça. C'est plutôt intéressant. Aurait-on un truc finalement fonctionnel? Ok. Et cette fois-ci, ça s'affiche. Victoire! Victoire! Ah, je suis content. Je suis très heureux. Ah. Bien, bien, bien. Bon, bah au moins, on va finir sur une note positive. C'est-à-dire que ce soir, j'aurais réussi à déployer... sur une Fedora un serveur web Nginx avec un petit code source HTML tranquillou. Merci Mortalius pour le bien joué. Je vais du coup passer, hop, comme ceci. Bon, alors en plus, ouais, il fait sombre, hein, j'ai oublié d'allumer la lumière. Vous devez pas voir grand-chose. Je donne un petit instant. Bon. Bon, bah c'était sympa. Moi, je me suis finalement pas mal amusé. Alors, ça a été un petit peu, comment dire, ça a été un peu difficile hein, à démarrer ce soir. Mais le principal, c'est que ça marche. Je verrai si je commit entre deux streams. Mais je vais pas committer tout de suite. Au pire, je committerai en début de stream jeudi prochain. L'idée c'est d'essayer d'avoir un truc un petit peu plus propre. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a pu voir ce soir, via Ansible, pour pouvoir déployer non seulement installation de Nginx, création de répertoires custom, déploiement via Git. Alors bon, je sais que j'avais récupéré le code du truc existant, mais le déploiement via Git s'est fait tranquillement. Et surtout, on a pu voir... comment on va modifier des paramètres SE Linux avec Ansible. Ce qui est quand même pas négligeable. Pour le moment d'ailleurs la machine n'est pas firewallée et ça pourrait être une idée de rajouter justement dans le rôle base que j'ai créé à l'occasion, pourquoi pas le firewall, parce que quand même, j'aimerais bien avoir un truc un petit peu plus costaud. Et ensuite on pourra itérer, continuer d'évoluer, de faire évoluer ça. Salut à toi Cookie, t'arrives pour la fin? T'arrives pour la fin, c'est dommage. Mais c'est pas grave, parce que il y aura le replay. Tu pourras en profiter. Et donc, j'ai envie de dire, je crois que tu as ton Lorem sur tes réseaux sociaux. Mon Lorem sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûr de comprendre, Cookie. Mais ah oui, mon Lorem sur... Oui, c'est vrai qu'à la fin, je dis toujours que on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, effectivement. Et que entre deux streams, voilà, vous pouvez me retrouver sur tout ce qui est indiqué. Ah, j'ai mon Ah oui, le Lorem Ipsum. Ah oui, effectivement. Pouf. Non, pouf. C'était pas celui-là. C'était celui-là. Voilà. Le Lorem, ok, le Lorem Ipsum, oui. Oui, c'est qu'en fait, j'avais prévu, en fait, parmi les évolutions de l'overlay, il y a le fait que je puisse ici remplacer les... en dessous, là, que je puisse remplacer le truc des réseaux sociaux par un texte. Et donc, pour le moment, j'ai juste mis un Lorem Ipsum, quoi. Toujours est-il que, si jamais vous voulez
revoir ces lives. Ils sont disponibles pendant 2 semaines en VOD sur Twitch. Le prochain live, ce sera dimanche de 18h à 20h. Ces derniers temps, j'ai fait des lives le dimanche sur... Alors oui, Cookie, il n'y a pas le chat. Ce n'est pas toi. J'ai essayé pendant, je sais plus, genre un quart d'heure, 20 minutes en début de stream, de refaire marcher le truc. Mais ça a l'air d'être cassé. Je sais pas si c'est du côté de Streamlabs ou du mien. Faudra que je revérifie. J'espère que dimanche, ça marchera. J'espère que c'est juste un problème temporaire de Streamlabs. Espérons. Croisons les doigts. Toujours est-il que, voilà, globalement, je stream les jeudis de 20h à 22h. Le jeudi, c'est cette série-ci, Lab as Code. Et les dimanches, eh bien, c'est une autre série sur les conteneurs. Ces derniers temps, on essayait de faire marcher du Kubernetes. Et ça n'a pas été une grande réussite. Mais les gens présents sont assez encourageants. Donc, si vous avez envie de voir des gens m'encourager à m'améliorer sur les sujets des conteneurs et de Kubernetes, eh ben, n'hésitez pas à passer le dimanche entre 18h et 20h. Et puis, ben, entre ces périodes-là, ben, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont indiqués ici, et cette fois-ci sans le lorem ipsum. Et je crois que d'ailleurs vous pouvez faire point d'exclamation socials dans le chat Twitch pour avoir le lien vers ma page, bah, la page que je vous ai montrée, hein, celle qu'on a déployée là à l'instant, donc sur anotherhomepage.org, où il y a tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, ainsi que l'adresse de ma chaîne YouTube, si jamais vous voulez voir des très vieux lives. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Alors j'ai cru comprendre que, alors pour les habitués du jeudi soir, Rancune, un autre streamer Twitch qui lui fait de l'électronique, et que je ne saurais trop vous recommander aussi, il avait pour habitude de faire, je crois, 21h-23h sur les lives. Est-ce que j'ai besoin de CSS pour ma page? A priori, j'ai un peu, enfin le truc est assez minimaliste. Si tu as envie de proposer un truc, tu peux faire une pull request. Je serais ravi de jeter un œil, Cookie. Et donc, Rancune, généralement, pour l'été, streamait de 21h à 23h. Mais je ne sais pas, je crois que ce soir, il streamait de 20h à 22h comme moi, mais il a l'air d'être encore là. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on aille le raider, parce que c'est un peu devenu la tradition du jeudi soir. Alors, si ça se trouve, il a bientôt fini. Mais pour le principe, on va aller le raider. Ouais, un petit raid. Cookie qui dit ok, faudrait voir ce que tu aimes pour faire une maquette sur Figma dans un premier temps. Pourquoi pas. Donc, merci pour la proposition en tout cas. Ce que je vais aller faire, c'est déclencher le raid. Hop, rancune. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la page de fin de live, mais restez encore un petit peu, et puis on va passer raider rancune, qui a pas l'air d'avoir fini. Je vous souhaite à nouveau une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le prochain stream. Et jeudi prochain, si vous revenez encore pour cette série Lab Ascode. Ciao, ciao !